le cadre de prix littéraire décontracte, je trouve, les discussions, les rapports, beaucoup plus que dans des interventions plus classiques dans des lycées où les enseignants ont toujours tendance à trop préparer. C'est pas facile de faire parler. C'est pas facile de libérer la créativité. Je trouve que le cadre prix littéraire, ça marche. Peut-être parce que ça leur donne un minimum de responsabilité et d'envie de se tenir au courant, enfin, et d'intervenir dans l'affaire. Jusqu'à maintenant, les rencontres que j'ai faites, très positives, très agréables pour moi. Ça m'aide toujours dans mon travail d'écrivain. Ça m'aide d'avoir un regard extérieur, y compris très extérieur. J'essaye d'en tenir compte absolument dans l'accessibilité de ce que j'écris. C'est très important. J'écris pas des choses faciles. Je ne cherche pas à écrire des choses faciles. Mais j'essaye que les choses difficiles que j'écris soient le plus accessibles possible. Et ça ne peut se faire que dans un rapport de discussion avec des lecteurs potentiels. Moi, je crois que j'ai appris à vivre en lisant. D'abord. Si j'étais assez mature à 17-18 ans, c'était à travers tout ce que j'avais lu. Je lisais des livres magiques, complexes. Mais je vivais avec mes livres. Ce qui fait que, de façon absolument spontanée, sans m'en apercevoir, j'acquérais une expérience de vie. Moi, je crois à les mettre dans une situation qui facilite la lecture. Ça ne va pas fonctionner pour tous les gens qui sont là, pour tous les lycéens, ça c'est évident. Mais il y a un certain nombre qui sont accrochés vraiment et qui n'auraient pas été accrochés par une simple rencontre. Ils ont une fonction dans cette rencontre. Leur fonction, c'est d'être juré. Je crois que ça, c'est important. Ça peut l'être, la rencontre peut être débloquante. Mais je pense que la rencontre peut plus facilement être débloquante dans ce cadre d'un jury, dans ce cadre d'un prix à décerner, qu'une simple rencontre sans enjeu. J'aime bien voir la diversité des visages, la diversité des voix, la diversité des ambitions, les goûts. Je trouve ça chouette à chaque fois de discuter avec eux, tout simplement. Ce que j'aimerais en tout cas, c'est que ça leur montre que c'est possible de faire un métier artistique ou littéraire, même si on vient de province, même si on vient pas d'un milieu qui est spécialement artistique ou littéraire, que tout est possible et qu'il faut juste rêver un peu, surtout à cet âge-là. J'espère que le fait de les rencontrer, de parler avec eux du monde d'aujourd'hui, de parler avec eux de mon travail, ça leur ouvre des horizons et ça leur donne de l'énergie. J'essaye d'être vivante et de leur transmettre une énergie pour qu'ils aient envie de faire des choses, qu'ils aient envie de s'intéresser au monde dans lequel ils vivent, qu'ils aient envie de se poser des questions, qu'ils aient envie de lire, qu'ils aient envie de vivre, qu'ils aient envie de faire plein de choses en sortant de là, oui. Le seul fait d'avoir à lire des livres tous ensemble, d'en parler tous ensemble, même sans la présence des auteurs d'ailleurs, hein, mais de partager la découverte d'un objet culturel, que ce soit un film ou un livre, ou, je pense que c'est toujours utile et que le seul fait de peut-être leur donner le goût de continuer de lire d'autres livres, de voir d'autres films ou de lire des BD, si déjà ils continuent à être des lecteurs, on aura gagné notre pari. J'ai l'impression.
suite, je me mets à leur place, en fait. Je me dis, bon, super, c'est un moment où ça fait une fenêtre sur l'extérieur. Ça permet de rencontrer en vrai des gens qui sont derrière un bouquin. Et à cet âge-là, on ne sait pas trop. Donc là, d'un coup, ça permet d'ouvrir une fenêtre et de voir qu'il y a toute une possibilité. Et moi, je suis hyper en empathie avec eux parce que j'essaye je me mets à leur place, à leur âge, toutes les questions que je me posais là-dessus. Je me dis, tiens, c'est peut-être l'occasion de leur faire gagner du temps aussi sur des choses pour des gens qui auraient envie de se projeter, par exemple, dans la création de que ce soit du dessin ou de l'écriture, de leur montrer que c'est faisable. Il ne faut pas qu'ils écoutent que la voix de l'école, parce qu'elle est très formatée en général. En tout cas, je pense, peut-être moins aujourd'hui, peut-être je me fais une idée. Hein. J'espère qu'ils le vivent bien, mais je pense qu'ils le... Enfin, je ne sais pas, il y a des angoisses qui sont liées à cet âge, forcément. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Je me vois vraiment à leur place et je me dis, j'espère que ça va, quoi. J'espère que l'époque n'est pas trop dure. J'ai vraiment envie de que ça aille bien pour eux. Je me dis, est-ce que l'école leur en demande pas trop? Est-ce que le monde des adultes leur en demande pas trop? Est-ce que ça va aller pour eux, quoi? Et comme je disais, c'est une fenêtre. Si on a la chance d'avoir cette fenêtre, et j'ai plein d'amis qui font du dessin, qui ont attendu très longtemps avant d'avoir cette possibilité de rencontrer, de pouvoir se projeter. Quand j'arrive dans une classe, j'ai une grande conscience de ça. Je me dis, c'est très important qu'on puisse justement casser cette espèce de miroir où on dit, ah là, ça y est, un autre monde avec les adultes, qui alors certaines, une élite qui puisse être des créateurs de livres ou quoi. Non, on est comme vous, en fait. Moi, j'aime beaucoup... justement évoquer mes souvenirs d'enfance face à eux, parce que finalement on est pareil, voilà, juste le temps qu'a passé, quoi. Mais moi je me dis toujours qu'il y en a deux trois qui sont paumés au moins là-dedans, et je me dis qu'il faut c'est eux qu'il faut essayer de rassurer, pas à cause de l'époque, pas à cause de l'école, mais parce que le monde, parce que la vie. Et donc à chaque fois, je me dis que c'est quand même plus pour cela que pour les éléments les plus à l'aise, les meilleurs éléments, qui de toute façon, ça peut peut-être moins compter pour eux, notre passage. Mais moi, j'ai l'impression de me voir, moi. Et par exemple, je sais très bien que c'est pas celui qui pose le plus des questions, par exemple, qui va écouter le plus. Parce que moi, j'aurais été celui qui sortait, qui allait ouvrir grand les oreilles, mais qui allait peut-être pas oser parler. Je vais essayer d'être le plus naturel possible, de transmettre de l'enthousiasme et puis de faire sentir qu'il y a plein de possibilités. Un banquier, un mec qui pose du placo, un électricien, un chauffagiste, un taxi. Et pendant une heure, je pense que n'importe quel élément extérieur à l'école qui vient discuter une demi-heure, en fait, ça devrait être une fois par mois. Il devrait... Je sais qu'aux États-Unis, il y a des écoles qui font ça. Il y a un parent d'élève qui dit « moi, je veux bien parler, je suis maraîcher ». Donc c'est aussi quand on leur demande en seconde, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dans quelle voie tu veux aller, en fait on ne sait même pas toutes les possibilités qu'il y a. Et puis surtout on ne met pas de dire, mais je vais aller faire du droit, ils n'ont sûrement jamais discuté avec un juriste, ni avec un magistrat, ni avec un avocat, ni avec un juge, et ils vont faire du droit, ils vont acheter des gros livres rouges. Et je trouve que ça, il n'y a pas beaucoup ça. Parce que les sorties c'est un bien, mais que quelqu'un rentre aussi, ça dépoussière un peu le... Il y a beaucoup de molécules de stress quand même dans une école. Et ça, c'est tellement vrai. Hein? C'est tellement vrai.